On arrive donc presque à la conclusion. Donc, nous ne pouvions pas faire une journée comme celle-là sans inviter un homme d'affaires chinois. Donc j'invite M. Minfan à nous rejoindre. Now you are the man supposed to talk now. So please come if you don't mind. We are very happy to welcome you, sir. So, yes. Donc, I will say a few words in French, but Monsieur Minfan donc est le fondateur de C-Trip Group. C-Trip Group then is a group who is bringing service to the tourism. That's yes. It. So you build it. You started from zero and to build that group, which is one of the biggest, if not the biggest, in this field in China, right? Yes. So we'll listen to you. You have it here, so you just have to press on to it. But further to that presentation, what we are most interested is to hear your own vision, personal. How do you see, let's be frank, risk and opportunities of that Belt and Road Initiative? So, okay, we will listen to you very carefully. Thank for you. 15 minutes. Okay. Thank you very much. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. And I would like to take 15 minutes to elaborate a little bit on what we think about Belt and Road. But of course, I will most focus on the business side, not that much on the geopolitical, you know, side area. And before I start, I would like to spend the 3 minutes to talk about my company, C-Trip. And I think some friends here use C-Trip, and I just introduced C-Trip is the number one travel group in China. Mm-hmm. Yeah, C-Trip is the number one travel group in China. Of course, right now we are not that easy to say we will be the number one in the world. Okay, but I think given the market potential, and this is definitely I think the future for Chinese big companies in the future. And in fact, we are the travel group, and we invest in transportation, in the home accommodation. Hotel, OTA, travel agency, and also we are to be much more international than before. And we also invest in UK and in India and also in US. So I think this is something in the future. I think anyhow Chinese big companies, they will like buy one load to enlarge its presence in the world. And this is a rough idea of the C-Trip's operation. For GMV size, what we call total production, I think this is the already among number one or number two in the world. Of course, the revenue size is still not the largest in the world. So this is just rough. And so let's see about the Silk Road and economic zone. And in fact, I think although right now we just, for Chinese government and quite some companies, we raised the issue about the one road, one belt. But in fact, I think this is more than 2,000 years ago during Han Dynasty of China, when at that time, the government and also those commercial organization already start those one road, one belt practice 2,000 years ago, via silk, via tea, via a lot of commodities to combine more culture and cross-border communication via economic growth. And I should say during the past 2,000 years, more than 1,000 years,
In fact, if you think about the Buddhism, those culture exchange impact China and nearby countries a lot via those One Road and One Belt practice. And probably we will have a few questions. Will the Belt and Road bring new opportunities to all the countries who will involve in this, the whole economic Belt or Road zone? Or how can those countries benefit, or those business units, or even people can benefit from the One Belt, One Road practice? Let's see some volume of the, you know, travel trend, you know. During the past 5 years, 10 years, number of Chinese urban travelers grew steadily during the past years. And you can see if we just compare 2013 and 2018, in 2013, there are more than 15 million urban travelers visit all those One Belt, One Road nearby countries. While you can compare 2018, it's already more than 30 million urban travelers. I think for those tourists, they did not just go there, travel around. I think definitely there's a lot of, you know, culture exchanges, a lot of human being, you know, views, ideas exchange, which will be very good for the, not only for the economy, for the local countries, but also I think definitely will you know, promote those peace efforts among all those countries. I think the tourism business should be the one of the best means to build a better world and a peaceful world. So I think this is a, while, let's say, among those countries, when they visit China, the yearly growth is around 3.5%, still not that high. If you compare for the urban travelers to those nearby countries, One Belt, One Road countries, the urban traveler from China, the yearly growth is around 15%. So I think this is, we can see not only for Chinese people, you will see more and more people will visit around in the world, but still there's a very good room for us to grow by, you know, we attract more foreigners to visit China as well. So let's say the urban travelers to those One Belt, One Road countries among all those regions, Chinese urban travelers contribute around 30% tourism income for those inbound countries. That means we contribute much more revenues to the visiting countries, to Asia countries, to nearby European countries. And why for those tourist business contribute 14% employment in those related countries. So I think this is definitely why you have more visitors, definitely will boom the local economic status as well. And if you benchmark what C-Trip, our group, is doing for the past years, if we make the example for 2018, for C-Trip alone, C-Trip group alone, we have more than 19 million, what we call the monthly active users.
use sea trip service to visit nearby countries to see the world. And nearly half of our total monthly active users, that means outbound business, outbound exchange, via culture, via tourism. Of course, a lot of outbound travelers, they are doing business with the related companies in different kind of countries. So this is definitely, I think, it's the contribution for Chinese economy to the world economy. And if you compare the growth rate, okay, for China outbound travel business, we have triple the market average ratio, growth ratio. And we double for the hotel, you know, hotel demand compared with the average growth ratio in other nearby countries. And we have a company called Skyscanners, which is a UK company, and we acquired 3 years ago. This Skyscanner, before, is just provide search engine information, but right now we combine, integrate more products together on its platform, and we already has more than 200 different kind of destination and countries globally. So I think this is something why for China we promote One Belt, One Road. You will find much more, you know, demand from the ordinary, from the local market, and also why more tourism can contribute for the local economy. And probably in quite some Asia countries, why there are more urban travelers to their countries, there are more Chinese tourists there, and a lot of local tour guides, they start to learn Chinese, while we try to learn French, learn English, and I think this, again, it's a very positive culture, communication, exchange for the world. And if you just compare what China has done in terms of travel business, you know, communication, China has signed agreement with 123 countries and 29 international organizations. And among those countries, 51 countries, they streamlined the visa application process for Chinese, which will facilitate, you know, the activity for urban travelers from China to visit their countries. And if we compare what we have done with the European countries, I think France remains the most desired countries to visit in Europe. And as we can foresee in the coming year, I think the increased number of Chinese visitors to France will surpass 30% on year-to-year basis. And of course, we hope in France, we will see more stable, you know, political status, and also why I think for last year, the whole European market was impacted by certain incidents, like the yellow jackets, and we did see the growth rate is decreased for last year. But this year we have much more confidence. Yeah, we will see there will be more communication, more, you know, more opportunities. So how we can seize the new opportunities via those One Belt, One Road initiative? And I think definitely not only for
kind, you know, business growth, but for whole China, I think the definitely we will try to be more international, more globalized presence, and we will redefine the operation, and also we will see the win-win cooperation with all corporates and all countries. And if we talk about tourism, and for China, I think the definitely if we see the travel business to European, to France, more than 3 million people from Chinese outbound travelers, and we design more than 80,000 travel products for travel outbound travelers to choose. And why those products? We have more than 90% are European and South Asia country-related products. And how we can redefine to, you know, to fine-tune our operation? I think there's a few things we are doing very hard. We are working very hard. I think the for technical innovation and for product innovation and also for service upgrade, we are working very hard. For technical innovation, we can see A plus B plus C, which for AI, I think this is the field which Chinese company is running very fast. And for big data mining, and this is also something you have to do if you want to win in the market. And for cloud computing, and we are also, we can see quite some big companies, they build the cloud for other corporates to share together. And for product innovation, we did, from our company's perspective, we did a lot of research, a lot of product redefine, and also we try to provide much better service for our target customers. 7 times 12 hours, you know, operation time period, and also from the website, from our app, you can use more than 14 languages, and also we have all day round call center in Edinburgh, in Seoul, in Tokyo. And so I think the for culture and for economy is something cool for the One Belt and One Road initiative. I will not hear. I think the probably quite some guest speakers will discuss on the military use or political usage for One Belt and One Road. But I think for the company like our presence in the world, with frank speaking, we do not have those kind of initiative for political view or for military view. But I think that it's better why we can take benefit from the One Belt, One Road initiative to share the culture and economic growth with destination countries together, to share our growth with the local people, local community together. Let's see, for the past 2-3 years, we organized a World Culture and Tourism Summit conference, which is located in China. We invite all those big potatoes in the travel industry to share, to discuss the economic culture, you know, construction for the future. And we have very good cooperation with the France tourism organization, and with the Italian, with the Israel, and with a lot of, you know, those related hotel group and airline, like France and the KLM. And we have very good cooperation with Accor, with Club Med. So I think all those, definitely, I think with the One Road, One Belt initiative, we hope we can do our
special contribution. Why? I think the probably in some countries, I think especially in United States, the politician or a few entrepreneurs will link the one belt, one road too much with the political reasoning or background. But I think, if for me, I would say, take easy. The world is so big. The opportunity is everywhere. China will grow bigger and bigger. It's a trend. Nobody can hold the trend. And why China become the number two or number three power in the world? It's mainly because, I should say, we are much more diligent than most of the other country people. We work probably 20 hours a day. We work 6 or 7 days a week. So I think China is catching up. It tried to speed up its growth rate, try to improve its living standard, and try to upgrade its economic status. So one bad, one low, I don't think we should elaborate too much on those, you know, political reasons. I think, as I just said at the very beginning, more than 2,000 years ago, our emperors, the government at that time already is working on the One Belt, One Road initiative, try to embrace the whole world to trade something from our country and to get something from other country what we need. So I think the One Belt, One Road, in fact, is a very good opportunity for us to see, to benefit together, try to build even stronger companies, even better life, and try to build a lot of win-win situations in the world. So this is my understanding. Hope you will agree. Thank you very much. Thank you, Mr. Minfan. It was very interesting to hear your vision of Belt and Road Initiative. Very interesting. Now, je repasse au français, parce que sinon, je fais attention. Donc, nous arrivons à la conclusion de ce colloque passionnant, absolument passionnant. Et j'invite M. le ministre Hubert Védrine à venir nous rejoindre pour la conclusion. Mesdames et messieurs, c'est évidemment impossible de conclure une réunion aussi dense et intéressante sans y avoir participé, donc ce n'est pas des conclusions, c'est des remarques que j'ajoute à vos propos, que j'aurais pu faire aussi bien au début ou au milieu. J'ai quand même écouté une partie, parce que j'étais pas loin, donc j'ai vu sur un circuit interne la dernière table ronde, que j'ai trouvée très très intéressante. Donc, je vais apporter mes réflexions, il y a beaucoup de très 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 bons spécialistes de toutes ces questions, sujet par sujet. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis un praticien relativement expérimenté de la Chine, enfin d'autres le sont plus que moi, et ma réflexion porte sur ce que j'ai connu de la Chine depuis le premier voyage avec François Mitterrand, dont j'étais conseiller diplomatique, où j'avais eu l'honneur et le privilège, c'est comme ça que je vois après, d'être preneur de notes dans l'entretien entre François Mitterrand et Deng Xiaoping. Et on était en 83. Et je me rappelle encore de Mitterrand disant « Le monde aura beaucoup à apprendre de la Chine. »
Et Deng lui dit, oh là là, oui, oui, mais c'est pas tout de suite. On a encore un immense chemin à faire. Bon, mais cela dit, à cette époque-là, personne ne pouvait imaginer, même si Deng avait pris le contrôle et qu'il allait changer le monde, bien sûr, on le voit après, personne ne pouvait imaginer la suite. Donc je ferai quelques remarques simples, quelques réflexions sur cette affaire qui vous occupe, les enjeux géoéconomiques, géopolitiques des routes de la soie. Premièrement, c'est évidemment impressionnant, tout le monde l'a en tête, même si ce n'est pas le point principal aujourd'hui, c'est quand même sidérant, c'est stupéfiant de voir comment ce pays, vu la situation dans laquelle il était à la fin de l'ère strictement communiste, le chemin qu'il a fait par la suite. Et surtout quand on regarde le XXe siècle, le XIXe, enfin, toute cette longue période de désagrégation, dislocation, humiliation de la vieille civilisation chinoise. Donc c'est spectaculaire, sans précédent, je pense, par rapport à ça. Vous vous rappelez l'époque où on gémissait sur les pays en voie de développement qui ne se développaient pas du tout. On parlait des petits dragons asiatiques, on trouvait ça rigolo, parce que c'était des pays relativement petits. Bon. Mais quand c'est le mastodonte chinois, c'est complètement différent. Le premier point, c'est évident. Deuxièmement, je ne vais pas être extrêmement long, parce que la journée a été longue, on est à la fin de la journée, vous avez tout entendu sur le sujet, donc j'ajoute mes quelques remarques. L'analyse sur la logique chinoise, ce que j'ai entendu, moi, de la table ronde, je suis assez d'accord, globalement. La logique, c'est une logique de puissance. Alors, il y a un vieux débat que je connais depuis longtemps entre les spécialistes amoureux de la Chine, l'histoire, la langue, la civilisation, qui disaient, oui, c'est une puissance extraordinaire, mais il faut rester tranquille parce qu'ils ne vont pas chercher à nous convertir, contrairement à la chrétienté devenue Occident, contrairement à l'islam qui est dans l'ébullition que vous connaissez, ils ne sont pas dévorés par l'obsession de convertir l'ensemble des autres à leurs idées. Donc ils ne vont pas nous faire le coup des valeurs chinoises universelles. Ils vont nous laisser tranquilles. C'est en gros ce que disent les vrais spécialistes de la Chine depuis longtemps. Mais les gens qui raisonnent froidement géopolitique, énergie, qui regardent les chiffres, la démographie, les routes, les sommes engagées, les 1200 milliards de dollars par an, même si ça n'est pas tenu, disent oui, bon, peut-être dans les intentions, ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même une gigantesque puissance en formation. Donc, moi, je suis plutôt sur cette ligne, gigantesque puissance en formation. Mais ce qui me fait sourire, gentiment, hein, quand les uns et les autres sont sidérés par la politique militaire, technologique, ou la politique en Afrique, c'est comme nous, en fait. Donc, je pense qu'une des clés de compréhension de la Chine d'aujourd'hui et de demain, peut-être, parce que le système mondial n'est pas tout à fait le même, ça serait de réétudier ce qu'ont fait les empires coloniaux, les puissances coloniales européennes. Comment ils ont fait? Comment a fait le Portugal, l'Espagne, mais surtout la France, la Grande-Bretagne et d'autres? Quels sont les procédés? Alors, vous avez toute la gamme des procédés. Il y a la séduction, il y a les promesses sincères ou mensongères, il y a les prêts, l'engrenage de l'endettement. Regardez la façon dont comment ça s'est passé entre les puissances européennes et l'Empire ottoman dans la dernière période de sa course avec l'Égypte, etc. Vous avez des opérations militaires, plus ou moins, discrètes ou avouées. Donc c'est très, très, très ressemblant. Alors je pense que c'est perturbant parce que les Occidentaux n'ont pas tout à fait intégré encore, même si c'est évident depuis 15-20 ans, qu'ils ont perdu le monopole de la puissance. Pas la puissance, ni la richesse, surtout par tête, non pas l'influence qui reste énorme, mais le monopole. Le monopole. Et encore, je ne vais pas aussi loin que Kishore Mahbubani, le Singapourien, qui nous explique que c'est la fin de la parenthèse occidentale. Parenthèse de 3-4 siècles, enfin, parenthèse quand même. Donc, je pense qu'il y a pas mal à apprendre sur le cheminement. Il ne faut pas avoir sidéré que les Chinois soient capables de développer une politique d'expansionnisme mondial jusqu'à ce qu'il y ait des résistances, une politique coloniale assez intelligente, même dans l'affaire de Djibouti, ça s'applique tout à fait dans l'histoire des différents pays, par exemple, je crois, le Sri Lanka. Et on prête un pays, puis à un moment donné, le pays ne peut plus rembourser, donc le port principal devient chinois. On a fait ça des dizaines de fois, quand même. Hein. Et qu'en plus, ils sont rebaptisés. Alors, les Chinois n'en sont pas encore à rebaptiser les nouvelles implantations chinoises. Ils n'ont pas encore donné à Djibouti un nom chinois. Mais ça arrivera peut-être si l'État de Djibouti est complètement en faillite et devient la propriété de la Chine. Je ne parle pas de la base chinoise, je parle de l'État. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais il ne faut pas avoir l'air de découvrir le vélo, quand même, par rapport à ça. C'est comme à propos de la Russie, c'est un tout autre sujet, mais dans l'hystérie occidentale sur la Russie, il y a une sorte de rage atroce que les Russes soient restés russes, alors qu'on pensait qu'après l'effondrement de l'URSS, ils allaient devenir des sortes de braves sociaux-démocrates scandinaves, quelque chose comme ça, vous voyez.
dont on n'aurait pas à s'occuper. Donc les Chinois sont des Chinois, les Russes sont des Russes, et nous avons mené jusqu'ici les plus extraordinaires politiques d'expansion coloniale qu'on ait jamais vues. Donc il y a des leçons à tirer sur leurs projets. Peut-être qu'on connaît leurs projets avant eux, si on raisonne par analogie, mais aussi des problèmes qu'ils vont rencontrer. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est après, c'est de se placer du point de vue des autres. Les autres, c'est complètement différent. Selon que vous êtes un pays voisin de la Chine, un petit pays qui n'a pas de moyens, genre Laos, il y a des choses comme ça, ou un des pays d'Asie centrale, là on est dans la vraie route de la soie, enfin la vraie route historique, pas dans l'expansion métaphorique et hyperbolique du concept. Donc c'est très différent du point de vue du Pakistan, j'ai entendu, on en parlait dans la table ronde, mais du point de vue de l'Inde, du Vietnam, du Japon, l'Australie, tout ça est très différent. Donc il y aurait une analyse à faire, pas si on avait 20 minutes, mais plusieurs journées, c'est certainement fait par des tas de spécialistes, l'exemple que j'ai entendu sur le Pakistan, pays par pays. Parce que pays par pays, l'équilibre entre les avantages à court, moyen, long terme, les opportunités de business, les inconvénients, les risques graves, gravissimes, c'est pas la même chose, pays par pays. Et la réponse n'est pas tout à fait la même. Alors après, il y a l'interprétation à donner aux conclusions qu'on a tirées de ça. Là, je parlais de pays proches. Après, il y a toute la question africaine. On a parlé de Djibouti, mais il y a d'autres exemples qui ont été donnés. Puis il y a évidemment une politique africaine. J'aime pas le mot ni pour la France ni pour les autres politiques africaines. C'est tellement vaste, c'est tellement différent. Enfin, il y a évidemment une grande politique très ambitieuse, très active, astucieuse en Afrique. Bon, ça, c'est à ce sujet-là. Le problème est plus compliqué pour la Russie, pour l'Europe, pour les États-Unis. Pour la Russie, c'est ambivalent. C'est cet immense pays, très vide. Je me rappelle encore de Jacques Chirac me racontant son premier dîner, je crois, avec Deng Xiaoping, justement, quand Jacques Chirac était premier ministre de Giscard, donc vous voyez, c'est pas récent. Il dînait à Beaumanière, je crois. Et Jacques Chirac lui dit, mais comment vous allez faire pour nourrir tous ces Chinois tellement nombreux? Où est-ce que vous allez les mettre? Et Deng lui dit, n'oubliez pas que la Sibérie est vide. Ça, c'est en 1975. Alors, les Chinois ne le disent jamais, naturellement, les Russes le pensent. Ils sont terrorisés par ça, mais ils ne le disent pas. Mais l'ancien Premier ministre russe, Evgeny Primakov, que j'ai eu comme homologue quand il était ministre à un moment donné, qui a écrit un livre avant sa mort intéressant, il y a tout un chapitre qui est consacré à cette peur à propos de la Sibérie, puisqu'en gros, il y a, je crois, moins de 20 millions de Russes entre l'Oural et Vladivostok. En comptant Vladivostok. Hein. Bon. Donc, du point de vue de la Russie, c'est évidemment, il y a beaucoup de choses à retirer de l'accord avec le partenariat, l'organisation de Shanghai, etc. Mais il y a quand même une trouille quoi, derrière ça. Mais comme il y a une politique occidentale qui est celle que l'on connaît, ça les pousse quand même irrésistiblement du côté chinois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des précautions à prendre par rapport à la Russie, c'est un autre sujet. En tout cas, pour la Russie, cette question compliquée. Pour les Européens, il y a quand même un contraste cuisant entre l'idée que l'Europe se fait d'elle-même ou qu'elle s'est fait depuis longtemps, pendant longtemps d'elle-même et ses fameuses valeurs universelles, etc. Puis la réalité du monde et la façon dont les puissances anciennes ou nouvelles, légales ou illégales, se comportent par rapport à l'Europe, dont la Chine. Et la Chine est quand même capable, ça a été cité d'ailleurs, d'avoir des relations sympathique, intéressante, honorable, respectable, etc., avec les pays importants de l'Europe. J'étais au dîner chinois, là. Et puis, après de faire les réunions avec les morceaux d'Européens qui sont demandeurs d'argent chinois, sans trop de conditionnalités, j'ai entendu 16 plus 1, je crois qu'on est à 17 par rapport à ça. Bon, il y a un double jeu, mais ce n'est pas tellement que la Chine a divisé l'Europe, pas plus que Poutine ne l'a fait ou Trump. Les divisions sont là. Certains s'en servent, d'autres pas. Bon. Donc, il y a en effet un jeu qui est très, très, très compliqué du point de vue de l'Europe, parce qu'il y a des pays qui sont tellement demandeurs. Par rapport à ça, c'était la Grèce avant l'Europe de l'Est. Encore que j'ai entendu un des Chinois responsables de l'affaire du Pirée qui dit « Même nous, on n'arrive pas à les rendre productifs. » J'espère qu'il n'y a aucun représentant des travailleurs du Pirée dans la salle, mais je ne vais insulter personne. Et alors, évidemment, pour les États-Unis, c'est encore complètement différent. Les États-Unis sont passés
ont changé de politique, en réalité. Et ce qui est très frappant, c'est que même les Américains qui haïssent Trump, qui le vomissent absolument, tellement ils le trouvent atroce, vulgaire, etc., bon, ne sont pas en désaccord avec lui sur la question chinoise. Et là, il a complètement changé le braquet. C'est un sujet où il n'est pas en accord avec l'état profond américain, avec le système américain, qui, en gros, était sur la politique Kissinger, qui était géniale, on s'entend, qui, en gros, a cru la fable selon laquelle, en faisant entrer les Chinois dans l'OMC alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions et que peut-être ils n'allaient pas les remplir, etc., etc., ils sont quand même assez nombreux à avoir pensé, pas que du côté démocrate, que ça allait amener la démocratisation de la Chine, puisque les Américains mélangent la démocratisation, le marché, bon, la démocratie de marché. Les Occidentaux modernes croient que ce n'est pas la démocratie qu'on s'est développée, ce qui est complètement faux, la démocratie est toujours venue après. Bon, il y a tout un méli-mélo dans la tête des Occidentaux qui fait que les Occidentaux ont beaucoup cru qu'en faisant entrer l'OMC, c'était un pari intelligent. Maintenant, ils s'en mordent les doigts. Et quand Trump, grâce à sa brutalité, sa brutalité laide, sa vulgarité, son indifférence absolue par rapport à ce que pensent l'ensemble des spécialistes de ce sujet, il a changé de braquet, il dit la Chine est l'adversaire principal. Donc c'est un partenariat musclé. Là-dessus, donc, il n'est pas en accord. Il est en accord avec le système, avec l'état profond américain de façon caricaturale sur l'Iran. Il n'est pas en accord sur la Russie, mais il ne l'a pas fait encore. Mais là, sur la Chine, il les a obligés à changer de braquet. Et donc, ils sont tous à peu près d'accord là-dessus. Et il s'est engagé dans une affaire qui n'est pas simplement une guerre commerciale, c'est évident. Ce n'est pas qu'une guerre commerciale. Il y a une guerre commerciale dans un premier temps, avec des étapes que l'on voit, avec les batailles sur les droits de douane, il faut regarder les répercussions possibles. Mais il y a un bras de fer à long terme. Et l'affaire de Thucydide, moi, je n'affirmerai pas que c'est complètement impossible. Je ne sais pas comment ça va tourner. On arrivera forcément à un moment où les Chinois, à force de transformer des petits îlots qui appartiennent à X et Y en petites bases chinoises, finiront par dire, voilà, c'est des eaux chinoises. Les Américains diront, ben non, c'est des eaux internationales. Et les Américains, Trump ou pas Trump, sont attachés au maintien de la libre circulation en haute mer. C'est fondamental, c'est garanti par des tas de conventions. Mais enfin, en pratique, c'est garanti par les sept flottes. Il y aura forcément un moment donné où les Américains disent, on va passer. Les autres disent, non, c'est chinois, maintenant, il faut demander. Non, il n'y a pas à demander, c'est international. On passe quand même. Qu'est-ce qui se passe? Bon, sauf que les Américains et les Chinois connaissent ce scénario, évidemment, plus les gens de Taïwan pour des raisons d'angoisse. Donc, je ne sais pas comment ça va tourner, mais je ne garantirai pas ici, aujourd'hui, en mai 2019, qu'il n'y aura pas d'affrontement. Pas du tout. S'il y en a, il se peut qu'il soit géré, parce qu'ils savent ça aussi. Donc, ça dépend de l'intérêt, le moment venu, de l'une ou l'autre partie, à transformer cet affrontement en quelque chose de plus grave et de plus large. On ne connaît pas le contexte, en fait. Mais il faut inscrire tous les éléments, y compris la réflexion sur l'avenir des routes de la soie, dans cette problématique États-Unis-Chine. Parce qu'une partie de l'issue de l'affaire route de la soie dépend aussi de ça. Alors, quelles sont les attitudes chez les uns et chez les autres? Il y a le soutien, l'approbation utilitaire de la part de pays qui n'ont pas de moyens de pression, qui n'ont pas de moyens de négocier quoi que ce soit, donc ils essaient d'en tirer parti. C'est une approbation passive, obligée, contrainte. Ça en fait des espèces de des sortes de protectorats. Vous avez quelques pays qui sont un peu plus forts, qui peuvent essayer d'obtenir une approbation négociée. Vous avez vu quelques exemples de pays en Malaisie, même dans le petit Népal, il y a des protestations sur les conditions de tel ou tel investissement, tel ou tel prêt. Donc, il y a des pays qui essaient de renégocier mieux. Il y a des pays qui peuvent essayer de se tenir à l'écart, en disant on vivra mieux si on n'est pas pris dans les... On ne répond pas aux séductions apparemment remarquables des routes de la soie au premier moment, première étape. Après, vous aurez des cas de résistance, résistance isolée, des pays disant non, je ne veux pas, ou je veux bien tel investissement, mais pas à vos conditions, on va les reprendre. N'oubliez pas que les Africains, au départ, étaient enchantés de l'arrivée de l'argent chinois parce que les Chinois ne posent pas de conditions. Ils ne posent pas de conditions sur les droits de l'homme et compagnie. Bon. Ça peut changer. Résistance organisée, de qui, avec qui. Au-delà de ça, qui sont des scénarios ponctuels que j'envisage, il y a la question d'une contestation plus large entre différents pays qui diraient « mais les routes de la soie, ce n'est pas du tout ce qu'on vous raconte. En fait, c'est une vraie menace pour votre souveraineté, votre sécurité économique, etc. » Alors, ça dépend des pays concernés qui prendraient la tête de ça. On peut imaginer, si l'affaire sino-américaine se durcit à un moment donné,
une contestation plus violente. Imaginons qu'au-delà de la guerre commerciale sino-américaine, il y ait donc les heurts, les incidents qui se produisent à droite et à gauche, et qu'à un moment donné, les États-Unis, toujours avec Trump, qui peut être réélu. À ce moment-là, on aurait eu Trump pendant 8 ans, s'il est réélu. Il peut arriver à un stade où il dit, en fait, il faut empêcher les différents pays d'entrer dans le jeu de la route de la soie. Ce n'est pas complètement insensé d'imaginer que les Américains veulent sanctionner ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le plus probable. Mais il y a une telle propension américaine à sanctionner tout le monde. C'est très ancien. Hein. Quand j'étais ministre, donc ce n'est pas tout à fait hier, j'ai fait calculer par mes services, j'ai fait recenser les propositions de sanctions mises en avant par des sénateurs, agités par différents lobbies que vous imaginez. Et au total, ils voulaient sanctionner les 3/4 de l'humanité. Ça rappelle les plaisanteries, vous savez, anglaises, sur le continent est isolé. Quatre brouillards. Bon, évidemment, les présidents, même les plus durs, ne suivaient pas entièrement ces recommandations, mais il y a quand même une machinerie américaine, tolérée depuis des décennies, de lois extraterritoriales qui sont un scandale, de sanctions qui sont un scandale au carré, et puis de etc., etc. Moi, je n'exclus pas complètement qu'à un moment donné, Trump mélange la guerre commerciale, la question de l'automobile ou les composants électroniques et ceci, cela, et le fait que la Chine développe un système route de la soie qui est quand même l'équivalent de la route des Indes puissance 100, enfin la route des Indes de l'Empire britannique, qui les amenait à contrôler Gibraltar, Malte, Chypre et ceci, cela. Ça dépend comment ça tourne, en fait. Mais à un moment ou à un autre, Trump va se dire « Qu'est-ce que je fais par rapport à la route de la soie ?» Et qu'est-ce que je fais par rapport à tel ou tel pays qui est entré dans le jeu ? Cela, j'accepte. Oui, ça ne me gêne pas. Cela, non, je vais les cogner. Vous voyez, ça fait partie du tableau. Et au-delà de ça, vous voyez, je fais le tour depuis l'approbation la plus complète jusqu'aux menaces. On peut imaginer une contre-proposition de pays disant c'est remarquable, il y a un aspect positif absolument géant. Il y a des aspects dangereux, inacceptables, donc on va repenser les choses autrement. Bon. Donc les scénarios sont très contrastés, très ouverts. Il se peut que les routes de la soie deviennent l'instrument d'une grande politique impériale spectaculaire dans les 30 ou 40 prochaines années. Il se peut que ça devienne l'enjeu du bras de fer stratégique entre les États-Unis et la Chine. Ça peut être aussi l'élément d'une politique globale renégociée. Donc l'essentiel de ma réflexion là-dessus, je vous ai dit que je ne serai pas trop long, donc je vais m'arrêter, c'est une question très simple. Qu'est-ce qui aura la capacité, dans le monde actuel, tel qu'on le connaît, où il n'y a pas de communauté internationale, en vrai, c'est une belle formule, mais c'est un objectif, ce n'est pas une réalité. Qu'est-ce qui aura la capacité, la force d'endiguer, de contre-attaquer, de contre-proposer et peut-être finalement d'imposer à la Chine, parce qu'il y aura en Chine une bataille entre les faucons et les autres, forcément, et cette bataille dépendra de ce qu'ils analysent de l'extérieur. Et selon qu'il y a des positions communes, relativement communes, entre le Japon, l'Inde, l'Australie, le Vietnam, les Européens qui se seraient reconstitués, les États-Unis, c'est pas du tout la même chose du point de vue chinois que si c'est la division complète. Mais à un moment donné, c'est ça la question. On peut analyser sans fin, on peut s'inquiéter de ceci, cela, on peut extrapoler les comportements d'aujourd'hui, par exemple sur les moyens militaires ou sur l'Afrique, mais qu'est-ce qu'il y a en face? Alors, dans l'idéal, ce serait, dans le discours ancien, un peu fatigué, ce serait l'Europe. L'Europe, mais sauf qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on emploie ce mot, parce que c'est un mot valise, comme disent les linguistes. Donc, dans l'idéal, ce serait les Européens, qui prendrait enfin conscience du fait que l'Europe ne peut pas rester éternellement une non-puissance, bloquée dans son refus de la puissance, parce que ça fait peur, et qu'on croit que depuis la fin de la guerre, les rapports de force sont périmés, terminés, tout le côté bisounours de l'Europe. Donc je termine là-dessus, en fait, en disant que c'est l'interrogation principale, l'inquiétude principale, parce que si ce n'est pas fait d'une façon intelligente par les Européens qui cesseraient d'être bisounours alors qu'ils sont dans Jurassic Park, s'il n'y a pas cette réaction des Européens, vous voyez bien qu'on est hors jeu et que la suite ne dépend que de la relation Chine-États-Unis avec l'ensemble des autres pays qui paniquent et qui essaient de se placer à l'endroit le moins dangereux par rapport au processus, tout en essayant de récupérer de l'argent de la route de la soie quand c'est possible. Ce n'est pas un scénario absolument emballant.
Il y a une autre formule encore meilleure que ma formule sur les bisounours, là. C'est celle de l'ancien ministre Sigmar Gabriel, ancien président du SPD, donc parti plutôt pacifiste, pacifisme allemand. Et il a dit il fait une déclaration que j'adore il y a quelques semaines, il a dit, qui s'applique très bien à d'autres sujets, hein. Il a dit, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques, dans un monde de carnivores géopolitiques. Et bientôt, on va être des véganes. Et à la fin, on sera des proies. C'est exactement ce qu'il faut empêcher. Donc moi, je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faudrait aider les Européens à sortir de leur léthargie, à se réveiller. Il faut les alarmer sans les paniquer. Et un des modes d'expression, c'est ça. C'est de présenter une autre option, qui est celle qui consiste à obliger la Chine, dans les années qui viennent, à un moment donné, à transformer cette gigantesque initiative qui montre sa force d'aujourd'hui en un vrai partenariat. Mais on en est loin. Voilà.